Pour cette image, je me suis installé tout près de la chapelle. Je me suis volontairement placé sur une légère contre-plongée afin d'accentuer l'impression de perspective, de renforcer un petit peu les lignes fuyantes du bâtiment. Donc, hop, voilà ce que ça donne. Donc le fait de m'être placé en contre-plongée, comme je le disais, donc ça accentue un petit peu la perspective du bâtiment. Je l'ai centré, je l'ai passé à peu près vers le tiers inférieur de l'image. La pointe du toit arrive à la moitié. J'ai choisi une ouverture à 9, ISO 100. J'ai légèrement décalé l'histogramme vers la gauche pour éviter de cramer les hautes lumières à travers les arbres. J'ai un filtre polarisant qui me permet de réduire la brillance sur les feuilles humides. J'ai un retardateur de 2 secondes. Et je fais le point sur l'angle. Et voilà. Je me suis placé un petit peu plus loin de la chapelle. Si l'objectif c'est de resituer la chapelle dans son environnement, mais j'ai également opté pour une valeur de zoom assez élevée, aux environs de 100 mm. Ici, l'idée c'est que de faire en sorte que la chapelle soit isolée aussi par rapport à son environnement. Donc c'est pour ça que j'ai choisi une plus petite ouverture. Je suis à 5-6. L'objectif c'est d'avoir la chapelle bien dans le plan de netteté, mais le reste un petit peu flou. Je suis à ISO 100, à 5-6 donc. J'ai mon histogramme qui est assez bien calé, je n'ai ni écrêtage ni ombre bougée. Et je fais le point donc exactement sur la chapelle. Je suis installé ici dans cette position un petit peu particulière car mon intention c'est de photographier ceci là, un nœud qui a été réalisé avec les branches de l'arbre. Les croyants font des nœuds avec les branches dans l'espoir de voir leur prière exaucée, et c'est une des traditions qui se perpétue aux alentours de la chapelle Sainte-Maure. Donc pour saisir cette forme originale, je me suis installé comme ceci. J'ai fait le point manuellement sur la branche. C'est pas une position très confortable, mais bon, ça fait. Hein. Donc, hop, je me suis posé comme ça. Voilà, j'ai fait le point. Voilà, sur le nœud. Je suis à nouveau une ouverture 7-1. Comme j'ai pas mal zoomé, je vais avoir une profondeur de champ assez réduite. Voilà, rien de particulier, toujours ISO 100, retardateur 2 secondes, et c'est parti. Et toujours, bien sûr, au fait, le polarisant qui réchauffe un tout petit peu les couleurs.
Le sujet de cette vidéo, ça n'était pas la chapelle Sainte-Maur, qui n'était qu'une étape sur la balade du jour. Le sujet de la vidéo, c'est de savoir prendre son temps quand on fait de la photo de paysage. Tout à l'heure, vous m'avez vu tourner autour de la chapelle avec mon appareil photo, pour avoir le temps, prendre le temps, de trouver un bon angle de vue. Maintenant, j'ai quitté la chapelle et je me suis enfoncé un petit peu plus loin dans la forêt et j'observe, je prends le temps d'observer ce qui se passe autour de moi, de m'arrêter, d'essayer de trouver des compositions. Je me suis rendu compte, lors d'une précédente sortie, que de vouloir aller trop vite, eh bien parfois, on passait à côté de la bonne prise de vue. Donc, à partir d'aujourd'hui, j'ai décidé de ralentir le rythme et de prendre un peu plus mon temps. Je suis arrêté ici car ce qui a attiré mon attention, ce sont ces trois arbres et en fait, la disposition de ces trois arbres dans les fougères, là, qui sortent des fougères, les trois troncs qui sortent des fougères complètement à la verticale et le fait aussi qu'il y ait un espace quasiment identique entre les trois. Donc je me suis posé ici, hop, voilà, je me suis mis en mode portrait. Et j'ai fait en sorte d'avoir les deux arbres extérieurs sur le bord de mon image et le troisième au milieu parfaitement au centre. Et d'avoir un espacement entre ces arbres quasiment identique. Donc je trouvais que c'était intéressant d'un point de vue composition. En ce qui concerne les réglages, je suis à F11, j'ai légèrement décalé mon histogramme vers la gauche pour éviter d'avoir ces zones blanches là totalement écrêtées. J'ai fait le point ici, je suis à F11, ISO 100. J'ai légèrement zoomé, je suis peut-être aux alentours des 30 mm à peu près. Je peux vérifier, mais voilà, 50 mm. Et voilà. Et donc, on va voir ce que ça donne. J'espère que cette petite escapade en forêt de Bretonne vous aura plu, qu'elle vous aura donné envie de venir vous promener ou de venir y faire vos propres images. En attendant, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et allez voir les autres vidéos sur la chaîne et profitez-en pour vous abonner. À très bientôt. Salut !